Aujourd'hui, on a effectivement la régate de Pantamousson qu'on a nommée Régate APAM pour la première année, où on a 8 clubs qui y participent. Nancy, Metz, Toul, Strasbourg, Liverdun, d'Alsace également, Erstein, avec 200 rameurs et 120 bateaux. Cette année, on a fait le choix d'avoir un départ, une mise à l'eau au niveau du parking de la piscine et des courses qui s'arrêtaient avant le plongée l'eau, puisqu'on a eu, il y a quelques années, des risques d'accident et la sécurité prime. Donc on a voulu éviter de passer sous le plongée l'eau cette année. Et on a également, au niveau de l'accès à l'embarquement, au niveau du square Winston Churchill, un ponton qui est trop haut aujourd'hui par rapport à un niveau de la Moselle qui a baissé et qui baisse constamment. Voilà pourquoi aujourd'hui on est sur le parking de la piscine. Tous les ans, après mars, on a énormément de régates. Et donc derrière, on a des difficultés, nous, à avoir de gros équipages. Et ce week-end, il y avait deux régates, une à Gérardmer et une à Pont-à-Mousson. Donc on a des clubs effectivement qui ont fait l'effort de participer aux deux régates, donc on les remercie aussi. Ce qu'on a voulu, c'est permettre aux clubs qui faisaient l'effort de participer de jauger leurs bateaux sur les distances que eux souhaitaient. Donc on a proposé des 500 mètres, parce qu'on a des championnats de France sprint qui se déroule sur 500 mètres. On a proposé 1000 mètres parce que les jeunes catégories courent sur les championnats de France en 1000 mètres et 1500 mètres pour les mêmes raisons, des catégories courent sur 1500 mètres. Donc on a vraiment adapté le programme pour que ça puisse satisfaire le plus grand nombre. Sur la fin de cette année, on a une régate qui s'appelle la Coupe Rega. Donc Rega qui est le nom d'un sponsor. Alors c'est une coupe et une régate qui se déroule sur différents clubs suivant les années. C'est-à-dire qu'une année, ça va être Nancy qui va l'organiser, une autre année Pont-à-Mousson, une autre année Metz, etc. L'objectif, c'est d'avoir une course au point. Chaque club, en fonction de ses victoires et de ses classements, va marquer un certain nombre de points et va gagner la Coupe Rega avec un prix à la clé qui est offert par la société Rega. Donc c'est une des régates qui est intéressante pour tous les clubs. Donc en termes de challenge, c'est intéressant et sportivement, c'est intéressant. On invite tous les jeunes qui ont envie d'essayer l'aviron de faire une séance découverte le mercredi après-midi à partir de 13h30-14h. Ils seront bien accueillis et là ils verront ce que c'est l'aviron. Donc tous les jeunes qui ont envie de venir s'essayer à faire un sport qui est complet avec des ambitions. Alors effectivement, on accueille des compétiteurs mais on accueille aussi les loisirs. Voilà, donc c'est un sport qui s'adapte à tous les pratiquants. Donc vous êtes invités
à venir essayer l'aviron le mercredi après-midi.